Oui, Pasteur Joël. La question de savoir comment cet homme de John Tshibangu quitte le Kasaï comme commandant région militaire, à niveau à Kasaï, alors qu'il s'est retrouvé en Afrique australe. Ce n'est pas la première fois. Abimakami Kolonyonso, il est tout le temps en Afrique du Sud, mais la plus grande question, toujours mituna, Abimakana Kombonini. Abimakana ordre de mission Nini. Et qui signe cet ordre de mission-là? Il faut aussi poser la question à Christian Tshiwewe, le chef d'état-major. Est-ce qu'il est au courant que Tshibangu, il est tout le temps en Afrique du Sud? Il fait semblant d'entrer en Afrique du Sud. Après, il entre en Afrique australe pour opérer. Est-ce que Christian Tshiwewe est au courant de ça, qui est le chef d'état-major général? Est-ce que le patron du renseignement militaire de MIAP, est-ce qu'il est au courant que John Tshibangu a tika poste dans la Kasaï ayaka en Afrique du Sud? Est-ce que chef Yaren, il y a force terrestre. Est-ce qu'il y a un Tshibangu pays? Voilà comment tu as fragilisé l'armée, tu as fragilisé l'autorité en Mboka. C'est-à-dire que Tshibangu devient un homme fort, plus que même le chef d'état-major général. Tshibangu devient le plus fort, plus que même le chef d'état-major de force terrestre. Même le chef de renseignement militaire. Même les attachés militaires au Bazali Banda pays, Tshibangu Aleki Bango. Tshibangu Aleki même le patron de migration au Congo. Tshibangu Aleki même le patron même ANR Aleki Bango. Aza chef na Bango. Tshibangu quitte le pays, il n'y a personne qui lui pose la question à Kiwapi, à qui est en ordre de mission. Un pays qui se respecte, un officier militaire ne peut pas sortir du pays sans toutefois présenter un ordre de mission signé par son chef direct. Et qui est le chef direct de John Tshibangu? Binobato l'armée. Et John Tshibangu ne peut pas faire une mission à l'extérieur du pays et il passe par la présidence. Non. Faux et archi-faux. Et coquille jamais qu'on s'allume. Et sans que John Tshibangu a bimi le banda pays et qu'il a un ordre de mission paraphé par la présidence, cela veut dire la présidence a quoi assumer conséquence. Il y a décision au dans le pays, au pays Afrique australe, contre le Congo. Quand je vous ai toujours dit que non, le Rwanda a encore l'influence sur notre pouvoir. Il y a des gens qui me disent non, oh Morning Star. Donc, tu exagères quand tu parles, non. Écoutez, jamais Tshisekedi de Félix que je connais, jamais l'UDPS, mon parti, peut se permettre à ben, continuer de ben, criminels, les bandes, les pays ben, qui ne coopèrent au nom du parti et au nom du gouvernement. Non. Je ne vois pas Félix envoyer Tshibangu les bandes à pays. Tshibangu, ce sont les réseaux rwandais. Et c'est Kahuta. Tu es capable de Tshibangu. Tshibangu, fille adjointe de Obed Basira. Tshibangu était parmi les gens qui ont massacré les Kassaïens au Kananga, dans l'histoire de Kabwe. Et jusqu'à présent, enquête mon côté fait avec le Congo. Obed Basira, ancien chef d'état-major des opérations Congo, les Rwandais. Les frères de Rouberoa et consorts. Adjoint, c'était John Tshibangu. Dans un moment, il y a massacre à Kabouinansapo. Mais bon, t'as la lélo, John Tshibangu a une influence à Koubima Kananga, a été Afrique du Sud, a été Afrique australe, a opéré à Zongi, sous prétexte qu'il y a un Koulouka criminel. John Tshibangu laisse Rouberoa à Kinshasa. Atiki, Bizimakara, à Kinshasa. Atiki, les anciens DRC de Goma, à Kinshasa. Les plus grands criminels de l'humanité. Atiki, Bangoura Katia Kinshasa. Azoko Lukaba, innocent à Katia, Afrique australe. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Qu'est-ce que John Numbi peut apporter au Congo aujourd'hui, s'il est aux arrêts? On est question de notre intellectuel. En héritant John Numbi, parce que c'est la Kinshasa, et qu'on change ni na Congo, est-ce que c'est le est du Congo, ils allaient libérer? Ce qui va quand John Numbi le loin au Zimbabwe, parce que c'est na Congo, est-ce que Bunangana sera libéré? Rutshuru sera libéré? Est-ce que les militaires ougandais, au Bazala Katia, Ituri, Beni, bah, libérer Mboka? Est-ce qu'une sécurité consiste, camarade Félix, vous devez faire très attention. La mission Moussous. Bah, conseiller non Moussous, bah, cause bah, excès des ailes. Même votre conseiller Moussous, sous-chargé des missions, ce qui Serge Chibango. Akumo Kolata, bah, pas vous. Vous ne pouvez pas utiliser les individus pareils, parce que le aux mission du genre. Ils ont discrédisé comme mon aïeux. Réputation en République, ils ont aussi là. Cher président, pour effacer l'image de la criminalité en dehors du Congo, il faut qu'au Kanga, John Chibango, il faut au Kanga conseiller Nayo. Serge Chibang, Karabatouane. Il faut qu'il ait des miapes à Karabatouane. Des miapes Karabatouane. Batumi Balouane. Nani Aza Simana Bango. Parce que nous, on ne voit pas Tshisekedi derrière ça. Tozana Batouba, comme on a venir, il y a John Numbi au Congo comme menace dans le projet de la Bahouna Mbokawana. Après avoir co-exterminé, nous avons accompagné Laurent Désiré Kabila. Après avoir co-exterminé Batouana, Gaëtan Kakoudji, Mouenzen Kongolo, Victor Mpoyo, tous ces gens-là ont accompagné Afdel, dans Laurent Désiré Kabila, Baboma Bango. Batou, il y a secret à Barwandi, Basilisa Bango. Bat onyons ba compagnon Joseph Kabila. Bakatu mamwaki. Babanza Mukalai. Tous ces gens-là que vous connaissez. Ba Delphine Kayimbi. Etc. etc. Nao Moussousan Nani Mukutu. Ba Thomas Lokondo. Tous ces gens-là, ba élimina bango. Mes chers amis. Bato ba compagnon que Félix. Le 24 janvier 2019, Monseigneur Moulumba, Maître Mukendi, tous ces gens-là, oh, Moussousa Soukanani, ancien président de l'UDPS AI, Kabound, Jean-Marc Kabound, donc, pilier nous sur le pouvoir à Félix Bassi Sabango. Tala, c'est comme beaucoup de gens qui ont été exilés. Parce que ce sont des gens qui gênent. Bah John Numbi, parce que je gêne, c'est ça la vérité. Là, quand il dit ma fanatique, il faut comprendre. John Numbi, bah, le cahier, parce que c'est un sujet gênant du Rwandais. Il a des secrets du Rwandais. Il connaît comment Joseph Kabila était arrivé au pouvoir. Il connaît comment le Congo a été géré à l'époque. Bah le Belabino va massacrer le Koutate qui est au Maroc, ceux qui sont à toi, Bundu du Congo. Bah toi, Bundu du Congo, tu étais tué par Bisengimane. Les Rwandais de cette époque-là. Il est encore dans Kinshasa. Même les Chebeye là, qu'on vous parle, pour ceux de Chebeye, qu'on vous trompe pas. Chebeye était tué par les Rwandais qui sont encore au pays. Alors. Si on a besoin de la justice au Congo, qu'on commence d'abord par juger, bat onyonso, bazoka midouki. Il y a RCD Goma, MLC, batou ba, bouban batou na mboka wana. C'est ça la vraie justice qu'on peut parler du Congo.
N'allez pas chercher un seul individu en exil sous prétexte que non, c'est un danger pour le Congo. Bato babo batu na Congo baza wana baza encore aux commandes. Commençons par eux. C'est ça la justice qu'on cherche. Et John Tshibangu a tika qu'au peindre image il y a République comme si nous sommes des criminels. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est pas contente du pouvoir du Congo. Pourquoi John Tshibangu est tout le temps en Afrique du Sud avec l'ambassadeur du Congo en Afrique du Sud? Parce que l'ambassadeur est ébanité. Est-ce que le service de sécurité est ébanité? Il se promène en Afrique australe comme ça avec le faux nom. Au nom de qui Toyibité. Qui signe les ordres de mission pour cet homme-là dans les bandes à payer? Ayez banité. Monsieur camarade Félix, il ne faut pas tolérer les genres de choses. Imaginez aussi là. Parce qu'on éloigne nos camarades dans les pays d'Afrique australe. Ou dans les pays de SADC. Ces gens-là, parce qu'on s'éloigne dans les pays. Confiance aussi là. Les lois Afrique du Sud, dans Rwanda, pourquoi? Depuis que Vincent Karega traquait les opposants ici et tuait les opposants ici, le pays où tu vends, balingi biloko wanate, balingi ba via modèle wanate. Même moi qui vous parle, les jours que vous oserez, vous aurez des problèmes sérieux avec ce pays ici. Vous devez arrêter John Tshibangu. Dès qu'il retourne au Congo, il doit être arrêté. Serge Tshibangu, la même chose. Une fois qu'il met ses pieds au Congo, vous devez le récupérer. La DEMIAP, vous devez récupérer ce gens-là. Il ne peut pas se permettre d'aller dans un pays étranger poser des actes criminels au nom du Congo. Non. L'IDPS n'a jamais préparé une telle méthode pour la gestion du pays. Jamais. Dossier à suivre. C'était mon histoire. Oui, pasteur Joël. Ça, c'est mon deuxième message. Je disais que ce monsieur de John Tshibangu devrait s'occuper il y a cantonnement, il y a plus de 200 000 éléments soi-disant les éléments de M23 que le Congo doit déployer au niveau ya Maniema. C'est un autre coup contre la population de Maniema. Na kosenga na bato Maniema bo se soulever. Na kosenga sika nyonso ba kotinda soi-disant ba réfugiés ou les éléments de M23 bo se soulever. Les derniers bilans au Bapesabiso sur les éléments de M23, c'était 4000 hommes. 4000 hommes. Aujourd'hui, il y a 100 000 hommes. Pasteur Joël. 200 000 hommes de M23 au largué na Maniema chez John Tshibangu. John Tshibangu, origine naïe, c'est Maniema. Quand je parle ici à Ebi, parce que moi je connais son père, le nom de Tshibangu, c'est un nom qu'on l'a attribué. Mais il est d'origine de Maniema. C'est ça sa province. Mais bah, on continue de plus de 200 000 hommes inconnus. Au lieu de s'occuper de ça, il y a un cas qui s'amaye, il y a un cas qui pour le Kaba, opposant. C'est un homme malade. Le Oyo, Congo a un problème syrien en Afrique australe. Le gouvernement congolais n'a pas un bon contact avec le pays où nous sommes bien pays de SADC. Il a une bonne relation. Posez-vous des questions pourquoi. Je ferme la parenthèse parce que je ne peux pas parler beaucoup sur ce point. Sauf qu'il y a des individus qui sont en Congo que non, nous entretenons de bonnes relations avec l'Afrique du Sud.
C'est un menteur, un faux diplomate. Ceux qui mettent au fond la banane en Congo, que non, nous entraînons de bonnes relations avec Zimbabwe et avec ceci, avec cela. C'est un menteur. Nous n'avons pas de bonnes relations dans le pays. Voilà. Et j'en ai des preuves. John Tshibangu, na Serge Tshibangu, devraient s'occuper de Makamouna Koloba. Les faits à Kokende na cabinet, il y a président de la République, pour arracher signature, il y a directeur de cabinet, na ye, pour que le conseil ait mission criminelle. Monsieur Nyembo, vous serez aux arrêts. Le directeur de cabinet des chefs de l'État, Bako Kangayo, Kaka Nambo Kawana, la Ibisaka Biselele, Kaka Fasona Kolobaboye, Biselele, Azana prison. Guilain Nyembo, Yomutoko signé, ba ordre de mission à Tshibangu. John Tshibangu. Chaque fois qu'il sort le pays, il y a un conseiller ma missionnaire. Ma hors de mission. J'ai mes éléments au sein de la DGM. Quand il vérifie, Bazo Koebi Saka, que non, Morningstar, ma hors de mission, Nyonso ya Tshibangu, il a signé par le cabinet des chefs de l'État. Quand les gens, les directeurs des cabinets, ont se mêlé dans ce genre de choses, ce n'est pas bien. Maintenant, je me pose la question. Où est l'efficacité? Il y a chef d'état-major général. Ce qui est un individu affecté à Kananga. Ils ont quitté Kananga directement en Afrique du Sud, Zimbabwe, partout. Sans passer par le chef d'état-major général, sans passer par le chef d'état-major des forces terrestres, sans passer par le chef du renseignement militaire. Maintenant, beaucoup de colons qui ont nom, qui se sont nommés Chiwewe, Azane Makasite, Azane Compétent, renseignement militaire, et ça, comme ça, maintenant, ils ont cabiné dans le monde de Kobumba, le service, mais c'est le chef de l'État. Cabiné dans le monde de Kobumba, Otobengi, le service en Boka. Parce que dans un pays normal, un directeur de cabinet qui ose de signer un ordre de mission à un général, on l'arrête. Et on lui demande même de démissionner. Voilà Moussala et le conseil de sécurité. Au Bobengi CNS, de Moussala Nabinongwana. Moutoulongo la Tshibanguana, Abimaki pays, na Serge Ntoumba, Serge Tshibangu, Babimaki pays, qui a la mission Moko Boye, Libanda, Oyo, ba service est évité, retour dans Bango, Conseil national de sécurité, il faut dire convoquer Bango. Conseil national de sécurité peut même arrêter le chef de l'État, ce Boye, il n'y a pas de quoi ce Boye, il n'y a pas de chef de l'État. S'il y a un motif grave, Bako kouche pembeni. Boye baka pouvoir na binote. Bako benga bine kaka wano CNS, CNS, conseil spécial. Mais boye baka pouvoir boza na ngote. Commencez par poser des actes pareils. Ne bako respecte binou. Ne bako komisa mboka makasi. Ba service koma makasi à partir du conseil national de sécurité. Au sein du conseil national de sécurité, vous ne pouvez pas trouver les gens ou abandon côté comme Macas ou quelque part, hein? Un chaillère a commis le Conseil national de sécurité, non. Conseil national de sécurité, c'est un organe organisé par les anciens des renseignements, les anciens militaires, tout ça, c'est l'école de gendarmerie, tout ça, c'est l'académie, il y a renseignement, travailler d'abord dans Moka, baby. Souffrance, la sécurité, Mboka Baibi, souffrance armée, il y a police, il y a migration, il y a justice. Des bateaux composés comme Babengi, conseil national de sécurité. Tu ne peux pas te retrouver dans quatre organisations de Babengi, CNS, ou Bado Koteka Makasu, quelque part dans la Kisensu.
voilà une efficacité ya Oganoana. Les loups bachibang bakoumoukou pima, baké coopéré au nom de la République, bazongi pe. Balbi qui non, l'ordre de mission a été signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Et qui est-il, ce monsieur-là? Hein? Un directeur du cabinet du chef de l'État, c'était un administratif. Kamera était arrêté. En qualité, Azaki, directeur du cabinet du chef de l'État, bakangaï, baridikizaï. Mais quand un directeur du cabinet ose de signer une ordre de mission pour un général, si cela est vrai, Nimbo Guilin doit être aux arrêts. Beaucoup de bâtés qui ont acharnement au Katangi, non. Il ne peut pas signer une ordre de mission pour faire sortir un tel comme, un homme comme le général Tchibangola, la Libanda Congo, sans que ma service ne baye pas. Sans que des miens payent pas. Sans que Tchiwe soit au courant. Tchibango, depuis Banoma, il y a ça, ça fait trois voyages au Grand Monde d'Afrique du Sud. Et il est tout le temps côté de notre ambassadeur. Basola, Basolonine. Il coopère quoi? Cessez de transformer le Congo comme un pays criminel. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas la valeur dans la région Tobingi, la région de Sadek. Les diplomates rwandais sont considérés comme des criminels. Aujourd'hui, comme il s'appelle les diplomates congolais, la Libanda pays, les officiels congolais, la Libanda pays comme des criminels. Donc, si on a un aéroport caché à criminalité, il n'y a pas de Congo. Pourquoi? Quand on voit un général en fonction, Azoubi Malibanda a changé de combo pour coopérer à Salakabatoumabé. Ce sont des choses que vous devez refuser. On a encore beaucoup de choses à faire au pays. Le fait d'amener 200 000 personnes, soi-disant les rebelles du M23, dans une seule province, ce qu'on a beaucoup, beaucoup. Combien va commémorer dans ma province, Moussous? Occupez-vous des réfugiés. Quand on vous parle tous les jours que non, on va amener autant de réfugiés dans telle province. Occupez-vous de ça. Parce que les Rwanda, l'Ouganda, Kenya, Burundi, Soudan, bah, comme il y a un moment qu'on déploie ce que ma race au milieu de éviter. Dans ma province, Particulièrement à l'est du pays. Désormais, on va maintenant demander à toutes les provinces là, en commençant par les Katanga, Tanganyika, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, préparez-vous au soulèvement contre le pays wana bayena ba soldats en Bokawana. C'est ça, Moussala Tokosala na moto Okobanda. Et puis, tu as tant que la bino ba responsable ni ba criminel ou baza ba complice de ba bino kouana. Tu as tant que la bino ba komona bango. Voilà. C'était mon histoire.